Ok. Alors. Donc. Let's go. Alors. Ouais, montagne sacrée, bat les couilles. Est-ce que là. Attends. Y a pas de tour ici? Ah si. Y a quoi de beau comme bestiole là? Voyons voir. Ah bah ça, ça doit en être un, ça, je pense. Queue de sport puissant, pointe d'or puissant, ouais. Là-bas, ça doit en être un, comme je l'ai pas. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Je vais manger un bout pour lui, quand même. Hein. Je vais quand même manger un bout pour lui. Je me méfie un peu de la bébête. Salut, Léolio. Ok. Ah non, c'est pas un save perfil, j'ai encore autre chose. Bon, on va le défoncer, ça sera fait. Ça fera un mob en moins à trouver, mais... Ah, c'est pas un save perfil, je crois. Parce que les queues sont vraiment plus grosses, logiquement. Ah non, c'est le... Je sais ce que c'est. C'est la nouvelle version du petit mob de flotte. Bon, pire, go le buter, ça sera fait. Go, 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 lui fumer sa gueule. Parce que à droite, c'est un queue de sport, je reconnais. Ouais, ça, c'est encore autre chose, ce truc-là. Bah, c'est parce que là, c'est la map, je pense qu'il y a le dragon, c'est pour ça, ça fout la merde. Ouais. Allez, harpon, c'est ça, ouais, c'est lui. C'est la version poison, donc, du truc de flotte, ok. Et après, il faudrait que je me farme un stuff, en fait, qui me permet de jouer sur genre les boosts de dégâts quand j'ai détruit une partie de membre. Ouais, pas mal, ça. Ouais, la pluie, elle, rend, elle fait un effet chelou, hein. C'est pas dingue. Wouh, c'est parti. Tu le mets dehors? Tu le mets dehors, le... Voilà. Allez, bim, que là, imaginez que je vais bientôt doubler mes dégâts. Hein. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Le marteau dans sa gueule. Bam! Il s'enrage, bat les couilles. Eh, chien, j'ai dodge. Quel bordel, par contre, de l'affronter dans les arbres. Attends, il y a un truc à récupérer sur lui. Lasso. C'est quoi que tu fais de beau? Oh, un piège! Nice, bien joué! Nice, ça, c'est beau! Pauvre bête, hein. C'est du bully, les gars. Il y a du bully, là, hein. La pétasse sera pas contente, hein, je vous le dis. Ouais. Je dois me brouiller quelque part dans le combo le carré. Oh là là, ce qu'on lui met. Bam! J'adore les marteaux, qu'est-ce que c'est fun! Vraiment, Wide Art, c'est quand même un très bon joueur. Ça va être très dur de retrouver une telle sensation. Ah oh, putain, les encres! Je peux plus de. Oh, Spokix! Je vais peut-être te rejoindre. J'arrive, j'arrive. Et donc, on peut res. Ah oui, à deux, c'est plus rapide, effectivement. Ok. Mais il m'emmerde, lui! Après, ce qui est bien, c'est que je suis full anti-poison avec le bec de corbeau, donc... Sans vous dire que le mob est quand même pas logiquement un gros danger pour moi. Ah non!
Ok. Mais on sent que c'est impuissant parce que on le bully, parce que c'est un petit mob, mais il est quand même la version alpha quoi. Je l'ai pas fait, c'est le seul. C'est une bonne question, mais c'est le seul Monster Hunter que j'ai pas fait, God Eater. On testera peut-être un jour. Sur pas mon radio. On va demander à Kirei-chan, je suis sûr qu'elle doit être fan. Kirei-chan qui adore les jeux d'animé, plus Monster Hunter, la connaissance, ça doit être un peu son kiff, elle. Si le jeu est bien, ça doit être grandement son kiff à Kirei. Je sais pas si t'es là, Kirei-chan, je sais qu'elle est souvent dans l'ombre. J'arrive pas à grimper, bordel. Bon, je connais un peu l'animal, là. N'hésite pas. En plus, une streameuse Kirei-chan. N'hésite pas à aller la voir. Très sympathique. Passionné de jeux Jap, notamment. Oh, ils sont rageux, bordel. Salut Rekas! Oh! Gohar bondit sur sa grosse couille de poison là. Ça me fume quand même. Il est tellement petit que j'essaie de sauter dessus mais j'y arrive pas. Pour lui prendre sur les poches de caractère, mais il est beaucoup trop petit. Non. Carré. Ah ben il est là. Je crois qu'il y en a eu deux ou trois en plus des God Eater et Sura, non? Il me semble, hein. Je vais aller voir les quatre... Trois, c'est ça, ouais. C'est bien, plein de compos, toujours cool, mais c'est pas le don lui dont j'ai besoin. Alors, on va aller voir la chasse. Ah oui, ok, oui, c'est une fois qu'on le bute, yes. On est d'accord qu'il n'y a pas sur cette map là. Non, il est pas là, hein, le. Alors, venin des cimes, donc non. Parce que là, tu vois, quête secondaire. Ou alors. Ah, mais sur la. Non, ça, c'est un Amaterasu. Je le vois pas, hein. Je crois que je l'ai pas... Il me semble qu'il est sur cette map-là, non, le safe perfid. Ou alors, il est peut-être plus en version... Ah, il est là, la version puissante, excusez-moi. C'est chapitre 3. Je suis allé trop loin. Il est chapitre 3, c'est ça. Bingo. Bien vu, voilà, on y en pense en même temps, mais... Bien vu aussi, Lan. Let's go. Chapitre 4, c'était too much pour le petit safe perfid. Après, Isurane, hein, je sais pas si t'as joué à Wild Art, mais maintenant, je vous dis, hein, vraiment, si t'aimes bien les Monster Hunter like, enfin, c'est génial, Wild Art, hein, c'est le kiff. God Eater, je crois que c'est assez vieux, le dernier, non? God Eater, le dernier, c'était genre 2016. Ah, 2019, c'est pas si vieux, ça va, en vrai. C'est qui fait ça, Bandai Namco? Putain, mais leur moteur graphique, JPP, quoi. Version animée, boobies, tout bordel classique, hein. Ça a l'air pas mal ceci dit, hein, mais bon. Là, avec un wide art, en vrai, quoi de plus, quoi. Il est là-bas. Ah, attendez, on a un truc juste devant, là, à gauche. On peut, avant d'aller faire le safe perfid, ça vous dirait pas qu'on allait juste voir... Ah non, mais c'est lui, attendez. C'est un autre écureuil. Comme ça, moi, ça me débloquera un nouveau mob, et ensuite, on fait le safe perfid. Il est cool, j'ai platine le 3, ça marche. Ouais, toi, t'aimes bien platine les jeux. Si ça vous dérange pas aussi, là, Nespo Kicks, bah, tant que vous êtes là, j'en profite, hein, pour... Enchaîner un peu.
Go buter le... Je sais pas ce que c'est ce truc là, mais bon, ça fait un nouveau mob. En plus, ça à découvrir. C'est un hérisson, hein, mais ça va être... Je sais pas ce qu'il fait celui-là spécialement. Bonjour monsieur le hérisson. Il est caniveau lui. Ah, j'ai pas eu sa présentation, tiens. Ça, c'est vrai que je suis immunisé au cri. Hop. Mais de toute façon, il y aura des jeux que je le ferai en plus quand j'aurai mon setup PS5. Tous ces jeux-là, vous voyez, qui sont instreamables de base sur PC. Oh, Silad ! Je les ferai sur la PS5, peut-être en soirée, parfois. Petit mur. Toujours bien, le petit mur. Oh non, je le rate. Arbalète 1. Ah, j'ai pas assez. Il a pas enculé mon arbalète là. Ouh, il fait mal, hein. Il pique un peu en vrai, hein. Ah, GG le piège à chaîne. J'ai pas encore eu là le gros up dans le DPS. Il arrivera bientôt. Ça sera justement la prochaine arme, je crois. Parce que j'aurai enfin une arme de mob puissant. Ça va aider. On sera le nouveau lieutenant Rivaille. Actuellement, je tiens plus de... Je recherche un nul, j'en ai pas d'idée, ils sont tous sur report. Ouais. Je suis un cadet de l'académie, on va dire. Okay. Ah, mon mur l'a bloqué. Ah, Irene, il est quand même pas mauvais. C'est vrai que c'est pas le meilleur. Pas mauvais. Avec deux têtes, il en tue qu'un seul de tout le manga. Il ne tue qu'un seul titan par lui-même. Il me semble, sans être transformé. Hein. Petit marteau dans sa gueule. Piou. Je suis bouffé dès le début. Alors, techniquement, il sauve quelqu'un. Il sauve Armin quand même. C'est pour ça qu'il se fait bouffer. Il se sacrifie pour sauver Armin. Qui est quand même plutôt. À défaut d'être fort, est quand même plutôt héroïque. Hein. Wow! J'ai pas la muraille moi. C'est là qu'il faut faire la muraille là, putain. J'arriverai jamais à la faire. C'est quoi? J'arrive pas à me rappeler cette muraille, ça me... C'est terrible, hein. Impossible de me rappeler cette muraille. Je n'y pense jamais. Putain, elle est vachement bien, hein. Mais. Marteau dans son cul. Je lui prends son karakuri. Allez, donne-moi ça. Oh, le harpon à telle chercheuse. Plus un marteau. The kiff. Mais qu'est-ce que j'aime ce jeu, bordel! Quel plaisir de gameplay! Wouhou!
Ok, il se casse, pas de soucis. Ah, le harpon. Un peu loin, je pense. Ouais. Un peu loin, là. Phew. Ouais, c'est parti. Poursuite. Poursuivons la bête. Mais ouais, Crytek, moi, il faut vraiment qu'il fasse un truc côté moteur graphique, quoi. Qu'il passe à l'Unreal Engine, il a de casser les couilles. Parce que... Enfin, ils ont le même moteur graphique, je crois, depuis 15 ans, hein. Sans exagérer, hein. Littéralement 15 ans, même peut-être plus. C'est un délire, hein. Et sauf que là, ça se ressent, ouais. Il y a des jeux, pas de soucis. Genre, l'Unreal Engine 3, même encore aujourd'hui, ils pourraient faire des trucs fabuleux. Là, là, ça commence à être dur, quoi. En plus, il est même pas si bien opti, quoi. C'est ça qui est terrible. Passer sur l'Unreal Engine pour vos RPG, surtout que vous en faites des bons et puis basta, quoi. Ah, vous, tu l'as enflammé. Ça, c'est aussi dingue, ça. C'est vraiment stylé comme Baby Crane. Marteau dans le cul. Bam. Oh, je kiffe. Feedback du marteau, c'est vraiment, je trouve, c'est si simple et si fort. Salut Bad Bull. Je crois que c'est un petit piège à chaîne, ça. GG les gars. Ok, maintenant le save perfide. Vas-y. Promis qu'il a buté le direct, hein, attendez pas. Hein. Nickel. Alors donc là on a buté une variante du hérisson. Enfin du parc épique plutôt. C'est un point d'onyx. Ça marche. Plus un point d'or. Karakuri, baignoire personnelle débloquée. Ah bah ça c'est intéressant ça. Ça c'est bon ça. Baignoire personnelle. Allez, goal save perfide. Il est où? Il est où la bébête? Elle est là-bas. Ça, c'est du bon Karakuri, ça. Petite baignoire. Ok, allez, c'est parti. Faut que je m'occupe aussi de faire mes préparer mes trucs de bouffe et tout. Non, mais ça l'a filé un bof ou une merde dans le genre. C'est toujours comme ça. Alors donc là, CF perfide puissant, faut tout détruire. Hein. Je vous le dis clairement, c'est simple, il faut le défoncer. C'est une étoile puissant, c'est un alpha techniquement, mais c'est le moins dangereux des alphas donc. Je crois que c'est littéralement le deuxième mob qu'on tue dans le jeu initialement, mais en version normale, pas en version alpha. Mais non. Maston, raté mon finisher à cause de ce bâtard. Tristesse. Oh là, il arrive, hein. Le décès. Ah, le décès. Faudrait vraiment que je fasse le piège à chaîne. Ouais, est-ce que je peux le faire? Oh là. C'est quoi le rempart élémentaire, lanterne, écraseur, piège à chaîne? Alors, attendez. Je vais en faire un. YYX, YYX. Ok. On a un piège à chaîne sur ma position. Oui, alors, oui, ok, forcément s'il attaque à distance, c'est un bâtard. Tu peux pas juste venir? Oh bon, c'est au pire, écoutez, hein. D'accord, j'ai compris, bah les couilles. Bah, j'ai compris, on s'en bat les couilles, on lui défonce la gueule. Je vous fais chier avec mon piège. Très bien. Écoutez, moi je joue un mob puissant. Voilà, on fait attention. Non, non, je défonce juste sa grosse gueule et puis c'est tout, d'accord. Mon côté naïf. Ah, il a s'énervé un peu là. On va bien prendre les compos par contre, les corps. Burn again. Sinon, si un jour il roule, il va se le prendre mon piège, mais bon. Je crois qu'il s'en bat les couilles.
Il est bien dans son coin. Eh bah bouffe-toi du... Ah ouais, d'accord, déjà mort. Ah oui, ok. Ah oui. Oui, effectivement, on s'en bat les couilles de mon piège. Ok. On s'en carre le cul de mon piège. Très bien. Atrix. PTDR, Atrix. Merci hein, pour la fois, Atrix, mais giga lol quand même. Hein. On se marre bien. Il est bien, ton piège. Ah bah, il a été utile, hein. J'irais même qu'il a été salvateur, mon piège. Au moins. Tout ça. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Regardez comme il est beau, mon piège. Ça, c'est du bon piège. Je vais le relancer, parce qu'il m'en faut au moins deux, ça, c'est sûr. Un piège de qualité. Je vous invite, fait le temps que ça nous TP. Petite pause bio, à tout de suite. Et résultat, ma pub, comme je veux, pisser. À tout de suite.